Eh bien écoutez, je pense que nous allons pouvoir démarrer. On va essayer de lancer ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que vous m'entendez plutôt bien. Je vais juste faire un tout petit truc. Hop, voilà. Ah, il y a un retour. Accordez-moi une toute petite seconde. Où est-ce que j'ai du retour? C'est là, ouais. Alors, on y va. C'est parti. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live. Vous le savez, hein, je commence à en faire de plus en plus sur cette petite chaîne Rodsters TV. Et eh bien, je vous avais demandé un petit peu vos retours, vos avis sur eh bien, les heures auxquelles vous vouliez voir les lives. Alors, j'ai un petit message qui me dit plus fort c'est possible. Est-ce que ça concerne le micro? Est-ce que ça concerne la musique? Est-ce que je dois régler mon gain plus fort? Dites-le-moi, hein, si j'ai besoin d'augmenter un petit peu le son. Parce que normalement, ça va, mais si le son est bon, dites-le-moi. Et si ce n'est pas le cas, voilà. Donc, comme je vous avais dit, hein, on a un petit peu fait un petit sondage hein, auquel vous avez répondu sur eh bien, quand est-ce que vous vouliez voir ces lives un petit peu apparaître. Hein, est-ce que vous préfériez plutôt que ce soit le matin, en début d'après-midi, plutôt en fin d'après-midi ou en soirée? Je vais vous mettre le petit, la voix plus fort. Alors, ok. Je vais augmenter un tout petit peu, mais après ça va saturer beaucoup, hein, donc je vais augmenter un tout petit peu la voix. Donc comme je vous disais, hein, on avait fait ça. Je vais vous retrouver un petit peu ici le petit sondage qu'on avait. Ouais, je vais pas l'avoir ici, bon, c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, en tout cas, les lives à partir de maintenant auront lieu dans deux périodes. Soit de 17h à 19h, soit de 20h à 22h, puisque l'idée c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Donc j'en ferai peut-être, eh bien certains à 17h et d'autres à 20h, hein. On verra aussi en fonction de mon emploi du temps, hein, puisque vous le savez. Je ne fais pas que ça, hein. On fait pas mal de petites choses sur cette chaîne, voilà, vous avez dû le remarquer, hein. Et si vous découvrez Rodsters TV avec ce live, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Si vous aimez le monde de la moto, il devrait y avoir eh bien, des choses assez sympas pour vous ici, en tout cas je l'espère. Et aujourd'hui on se fait un live en deux parties, hein. 2 heures de live, une première dans laquelle nous allons parler d'actualité. J'ai pas mal de petits sujets que j'aimerais eh bien, aborder, évoquer avec vous. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons faire un peu de jeux vidéo. Hein. Vous le savez, c'est la deuxième chose qu'on fait aussi dans ces lives. On va jouer à MotoGP 22. Donc, si les jeux vidéo de moto vous plaisent ou que vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, eh bien, vous pourrez nous suivre. Et si vous devez vous en aller, sachez que la VOD, hein, la vidéo finale de cette partie-là de jeux vidéo, sera disponible sur la chaîne Rodsters TV Gaming. Je ne la laisse pas sur cette chaîne-là parce que je pense que les personnes qui me suivent, qui me regardent sur cette chaîne sont majoritairement des gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par les jeux vidéo de moto. Donc voilà, je le délocalise sur une autre chaîne, mais si vous voulez regarder avec nous, eh bien avec grand plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a un nouveau statut qui est disponible qui s'appelle le statut Rodstars. C'est un espace membre auquel vous pouvez souscrire. C'est un abonnement qui coûte quelques euros par mois. Je crois que c'est 3 euros et qui vous donne accès à certains avantages, notamment des petits shorts en avant-première des motos que j'essaye et aussi des émotes pour le chat. Alors, elles ne sont pas encore prêtes. Donc, si vous voulez me soutenir et vous abonner, mais que vous attendez ces petites émotes, ne vous inquiétez pas, je vais les mettre en place. Et quand ce sera fait, eh bien, je vous en parlerai, je vous le dirai. Et si vous le souhaitez à ce moment-là, vous abonner à la chaîne, devenir membre, eh bien, ce sera avec un grand plaisir. Salut Yoz62, hein, salut à tout le monde, hein, à Nico, à Mathis, à Laurent, bienvenue à toutes et à tous, bien sûr. Et du coup, eh bien, nous allons parler aujourd'hui de pas mal de petits sujets. Alors, il y en a un que vraiment je voulais absolument évoquer avec vous, hein. On va ouvrir en intro hein, de ce live avec ce sujet, puisque KTM l'a refait, ils ont recommencé les petits margoulins, ils ont annoncé une nouvelle édition spéciale de la KTM Super Duke R.
R, donc c'est vraiment la version la plus ultime. On va passer bien évidemment sur la scène de capture pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas du tout ça. Là, vous voyez, je me suis complètement planté. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer la capture de mon écran. Alors, attendez, il y a eu un petit bug. Non, voilà, tout va bien. C'est juste moi qui dois faire une transition. Et donc, voilà, regardez, ici, on est donc sur, eh bien, le site de KTM dans lequel, eh bien, le constructeur autrichien de Mattighofen a annoncé une nouvelle moto totalement folle. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à en dire, hein, sur cette machine. Alors, déjà, sachez que si vous suivez un petit peu l'actualité de la chaîne en ce qui concerne les shorts, eh bien, cette moto, je l'ai montrée. Je l'ai montré, je vais d'ailleurs vous montrer ça, vous allez voir, ça va être assez, assez parlant. Assez parlant, on va aller sur la chaîne Roadsters TV, hein, bien sûr, hein, puisque c'est ma chaîne. Et là, vous allez voir ici dans les shorts, regardez, elle est juste là. Elle est juste ici. Donc elle est disponible chez Espace Murite, les amis, elle est incroyable. J'ai pas de son. Est-ce que, ouais, là vous devriez entendre un petit peu le son de la. Je sais pas si vous entendez le son. Ah oui, non, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas dû mettre le son. Voilà, bien sûr. Là vous devez avoir le son. Je vous parle de la moto, hein, bien sûr. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, elle est absolument magnifique. On va bien évidemment la détailler, hein, cette moto. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à en dire, mais je voulais vous montrer que bah, elle était disponible chez Espace Murite. Hein, voilà. Sont forts quand même les Européens, la Street Fighter et cette 1290R. Ah oui, oui, bien sûr, Yoz. Hein, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles, belles choses. Donc, qu'est-ce que c'est que cette KTM Super Duke 1290RR? Eh bien, en fait, c'est peut-être la version la plus ultime de la KTM Super Duke 1290. Alors, il faut savoir qu'à la base, il a déjà existé une version RR de cette moto, hein, en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et KTM a un petit peu refait le même coup, hein, ils ont refait la même chose avec une machine qui est limitée en termes d'exemplaires. Donc en fait, il y a plein plein de choses, hein, mais déjà, on la passe un petit peu en revue comme ça, vous voyez qu'elle est, elle est magnifique. Le prix, Laurent, il est de 26 500 €, hein. tu vas voir que chacun est midi à 14h, non, chacun est juge et voit midi à sa porte, mais est-ce que ça les vaut, est-ce que ça les vaut pas? Mais en tout cas, je me cache juste un tout petit peu, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez fou, donc je vous la montre quand même un petit peu en détail, et puis ensuite, on va parler un petit peu de cette moto et de toutes ses caractéristiques qui sont vraiment folle. Donc, d'abord, il faut savoir que cette moto, elle est limitée en termes d'exemplaires. La KTM Super Duke 1290RR ne se vend qu'à 500 exemplaires dans le monde, d'accord? Donc ça, bien évidemment, ça joue, hein, quand vous voulez un petit peu de l'exclusivité et des choses un peu rares, bah forcément, ça fait plaisir. Voilà. Et ensuite, donc, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Donc, il faut savoir déjà que la moto a énormément d'éléments de carbone. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous retrouver peut-être une photo un peu plus, un petit peu plus détaillée. Mais au pire, ce n'est pas grave. On va vous la montrer directement comme ça. Donc, il y a du carbone de partout sur cette machine. Hein. On a les garde-boue, on a des refroidisseurs de freins. Hein. Vous pouvez les voir ici. On a toute la partie des écoles. On va avoir des petits caches, il y a plein de pièces de carbone déjà, et en plus de ça, la Super Duke 1290RR est dotée d'une coque autoporteuse en carbone, la coque arrière autoporteuse en carbone, donc ce qui veut dire que, eh bien, la machine, elle est juste incroyable, hein. Et je voudrais juste voir un truc, si peut-être qu'ils en parlent ici. La fibre de carbone, voilà, donc on a dessous de caisse arrière en fibre de carbone, intègre le support de plaque d'immatriculation, le feu arrière au garde-boue avant, PRFC ultra rigide, voilà, il y a vraiment énormément de boulot qui a été fait sur la machine. Et après, on a encore d'autres trucs parce que la moto a notamment, eh bien, les jantes qui sont forgées. Ça, normalement, je devrais pouvoir vous le retrouver. Voilà, la selle, bien évidemment, est importante. Le guidon, les commodos, tout ça, c'est très intéressant. Je voudrais essayer de voir si j'arrive à vous retrouver. Les suspensions, c'est très important parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose de particulier. Amortisseur WP Apex, donc ça, c'est très, très bien. Les pneus Michelin Power Cup, donc ça, c'est ce qu'il y a sur la 890. Duke R et freinage Brembo Stilema avec, vous le voyez ici, donc les refroidisseurs en carbone.
Voilà, pour le prix, il y a un Acra de série. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on est quand même au pays de la démesure. Hein. Ça, il faut pas se le cacher. J'essaie quand même de vous trouver les jantes, parce qu'il y a quelque chose de très important à dire sur les jantes. Ergonomie, selle, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Échappement. Alors voyez, donc on a un Akrapovic, un slip-on, Evolution Line. Evolution Line, c'est celui qui est en plus, disponible en option. Mais là, on a déjà un échappement qui est chouette, qui donne un petit bruit très 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 sympa, et admission d'air, ça c'est chouette, les phares à LED c'est chouette, le moteur, alors il ne parle pas des jantes alors que pourtant les jantes sont forgées sur la moto. Les jantes sont forgées, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas mentionné, mais les jantes de cette moto sont forgées, donc ce n'est pas indiqué. C'est dommage, KTM, il faudrait peut-être le mettre. Il faut savoir que la moto a un gain de poids qui est phénoménal, puisque la moto perd 9 kg sur la balance entre tous les éléments de carbone qui ont été mis, les jantes forgées, batterie en lithium, qui fait que ça perd encore énormément de poids. La KTM Superduke 1290 RR revendique 180 kg à sec pour 180 chevaux. Le rapport poids-puissance de 1 pour 1 est atteint, les amis, il est atteint, je ne vous mens pas, on a ici les caractéristiques techniques que je vais vous montrer. 180 kg pour 180 chevaux, 140 Nm, ils mettent pas les trucs. Roue pneumatique, c'est marqué, vous l'avez vu quelque part, et moi je l'ai pas vu. Voilà, roue pneumatique, voilà, ouais, c'est marqué, les roues forgées ultra légères à 7 rayons, donc ça, développé à partir des mêmes règles de conception que la KTM RC 16, hein, moto de course, elle pèse 1,5 kg de moins que les roues de la Superduke standard. Et je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, que le poids gagné à différents endroits d'un véhicule ne se vaut pas nécessairement. Si vous gagnez 2 kg sur le carénage, si vous gagnez 2 kg sur des éléments plus légers en ce qui concerne les rétroviseurs, en ce qui concerne la selle, en ce qui concerne la coque, ce n'est pas la même chose que d'enlever 1,5 kg sur les jantes qui sont des masses non suspendues et qui sont des éléments extrêmement importants pour la légèreté. Alors, Laurent, pour te répondre, il y en a encore, puisque Espace Murit en a reçu une, elle est en vente chez eux. Moi, je vous cache pas que je suis extrêmement triste, parce que si j'avais eu l'argent, je l'aurais acheté séance tenante. Genre, je suis pas quelqu'un qui milite énormément pour les motos neuves. Je milite pas énormément pour les motos neuves. Il faut faire tourner le commerce, mais il y aura toujours des gens pour acheter des motos neuves. Mais c'est vrai que quand on achète... les masses en mouvement, oui, tout à fait, tu as raison. Moi, je suis plutôt pour ceux qui partiraient plutôt sur des motos occasion neuves, qui ont quelques kilomètres. C'est vrai que sur une moto de cet acabit-là, c'est quand même extrêmement difficile de mettre la main dessus, même s'il y en a, on en trouve en annonce des fois. Mais là, j'aurais été capable de mettre l'argent dans cette machine, parce qu'elle est vraiment phénoménal, et j'aurais pu claquer. Vous savez, je suis un amoureux de la Superduke, j'en ai possédé 4, et celle-là, quand je l'ai vue, j'ai vraiment été hyper séduit et convaincu. Mais ce n'est pas tout, hein, parce qu'il y a encore d'autres choses sur cette machine qu'il faut impérativement évoquer. Donc, un amortisseur de direction WP Apex Pro 7117 qui est issu de l'univers de la compétition. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien, parce que c'est un amorteau de direction qui est encore un poil plus poussé. Et au-delà des freins qui sont les mêmes, il y a les suspensions et donc la fourche, puisque cette moto est équipée d'une fourche WP Apex Pro 7548 qui est une monstruosité. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, en fait... La bague de la fourche, elle est en alu brut rouge, elle est incroyable, et on est sur quelque chose qui est extrêmement premium. Vraiment, c'est encore un cran au-dessus des fourches WP Apex qu'on avait jusque-là sur les Superduke. Là, c'est un élément qui est encore plus noble, encore plus poussé. Et du coup, non seulement cette machine sera plus légère, donc aura un ressenti d'accélération qui sera meilleur, puisque forcément vous avez un rapport poids-puissance qui est encore plus élevé, ou tout du moins plus réduit, et en plus de ça, vous allez avoir une tenue de route qui va être encore plus incroyable. La seule chose personnellement
que je n'aurais pas mis sur la moto, mais ça c'est vraiment du chipotage, c'est eh bien les pneus, puisque les Michelin Power Cup 2 sont des pneus extrêmement, sont semi-slick, c'est l'équivalent des Pirelli Super Corsa SP. Et le truc, c'est que eh bien, ces pneus-là sont des pneus qui sont extrêmement sensibles aux températures. Et par conséquent, ça peut rapidement partir en cacahuète. Je vais juste faire un tout petit truc. Je vais juste récupérer la capture audio pour vous remettre la musique. Parce que quand même, c'est un peu plus sympa en musique. Je sais pas, vous me direz. Totoma MW qui nous dit « Bonjour, je suis nouveau sur la chaîne. Je commence à beaucoup aimer la moto. Je pense passer la formation de 7 heures pour rouler une 125. Que pensez-vous de la Duke 125 ?» Écoute, Totoma, aujourd'hui, je pense que la KTM Duke 125 est une des meilleures 125 que tu puisses acquérir. C'est une moto que j'ai eu l'occasion d'essayer. C'est une moto que j'ai eu l'occasion de conduire. Et je trouve que c'est une machine qui est valorisante, qui est premium, qui est très sympa. Tu as d'autres alternatives qui peuvent être chouettes, comme la CBR 125, la R125, je crois, je sais plus si elle est vendue. Il y a des machines qui sont chouettes, mais à mon sens, KTM avec sa Duke 125 maîtrise vraiment très très bien leur sujet, et tu peux y aller vraiment les yeux fermés, et je te recommanderais toujours ça plus qu'un scooter, même si tu peux rouler en scooter, bien évidemment, avec une formation 7 heures, mais l'idée, c'est de ressentir ce plaisir de la boîte de vitesse, du côté un petit peu le châssis, de vivre vraiment ta moto. Tu peux aller sur une Duke 125 sans aucun problème. The Magic qui nous dit « Faut-il encore ajouter des options sur de tels modèles selon vous? Est-ce encore possible, nécessaire au vu du prix ?» Alors, The Magic, pour te répondre, il est toujours possible de rajouter des accessoires sur une moto. Tu peux personnaliser ta moto quasiment à l'infini, parce que cette machine, elle n'est pas composée de jantes en carbone, d'un ensemble de freinage Behringer, si tu voulais mettre du freinage qui est peut-être pas nécessairement encore plus haut de gamme, mais plus beau, parce que vraiment, Behringer, ils font des ensembles de freinage qui sont incroyables. Tu pourrais peut-être même remplacer la fourche par une All-in Snix 30, peut-être que ça te donnerait encore un meilleur toucher de route. Mais ce qui est sûr, c'est que en l'état, cette moto est déjà incroyablement équipé. Moi, par exemple, si j'en achetais une, la seule modification que je ferais, et je me ferais très probablement taper dessus par les forces de l'ordre notamment, ce serait de mettre un pot différent, un pot avec un son peut-être un petit peu plus libéré, mais en même temps, je veux pas forcément que ça fasse un bruit très fort, c'est juste la tessiture du bruit, et j'avoue que la Krapovic, pour moi, ne fait pas un son qui est extrêmement sympa à l'oreille. Je trouve que c'est un peu trop proche du son d'origine. Moi, sur la mienne, j'avais un SC Project CRT, qui est vraiment un truc qui fait un peu trop de bruit, je l'avoue, et voilà, mais j'aurais bien aimé trouver quelque chose dans le même esprit, mais avec un bruit peut-être un peu moins fort, mais avec un côté très un côté très rauque, très très sympa. Voilà, alors la Fantic Caballero 125, je ne connais pas du tout, Pierre, je ne l'ai pas essayé, peut-être un jour j'aurai l'occasion d'essayer cette machine, mais en tout cas, voilà, la Duke 125, Thomas, tu peux vraiment y aller les yeux fermés, parce que c'est une moto qui est très 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 chouette. Et donc voilà, on a cette super Duke 1290 RR. Alors j'en ai fait un petit peu le tour, hein. Voilà, ce que je vous disais, c'est que moi, je remplacerai les pneus, les Michelin Power Cup 2, parce que c'est des pneus qui ont tendance à glisser dès lors que vous êtes dans des conditions qui sont un peu humides. C'est vraiment un truc, qui est un petit peu touchy. Bonjour également nouveau sur la chaîne que j'adore. Bah merci beaucoup John Doe. Comment commencer la moto avec un gabarit de 2 mètres et 110 kg? Alors, c'est une excellente question que tu poses là, John Doe, parce que je ne suis pas aussi grand que toi. Je ne suis pas aussi grand que toi. Tu fais 11 cm de plus que moi, John Doe. Moi, je fais 1m89. Par contre, je pèse plus de 100 kg. Hein. Je suis un gabarit assez large. Bien évidemment, Laurent, tu peux poser des questions sur ce que tu veux. Hein. Là, c'est un espace pour vous, les amis. Hein. On est là pour discuter ensemble, il n'y a aucun problème. Je te répondrai que il faut que tu vises des motos qui te mettent à l'aise en termes de position et en termes de gabarit. C'est sûr et certain que si tu commences à rouler sur des machines qui sont assez contenues en termes de taille. Par exemple, Mathilde, hein, ma compagne, elle a une Ninja 650. La Ninja 650, ce n'est pas une mauvaise moto, c'est même une machine extraordinaire, mais pour quelqu'un d'un peu grand comme toi, qui a un certain gabarit, je trouve que c'est des motos sur lesquelles tu ne seras pas forcément très à l'aise. Il y a des machines qui vont souvent plutôt être dans les bécanes européennes que japonaises, qui vont avoir souvent des hauteurs de selle un peu plus élevé, avec des repose-pieds peut-être un petit peu plus dépliés, qui vont te permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus agréable. C'est une excellente question que tu poses, parce que ça tombe parfaitement au bon moment.
Parce que aujourd'hui, si tu commences la moto, tu vas être un permis A2, donc tu ne pourras pas te permettre de t'acheter ça. Mais plus tard, quand tu auras le permis A, eh bien typiquement, cette moto, alors pas la RR, hein, mais la Super Duke 1290R, c'est une moto de grand. C'est une machine sur laquelle moi, je me sens parfaitement à l'aise, plus que sur une S1000R, plus que sur une MT10, à peu près pareil que sur une Tuono, mais la Tuono, la Aprilia Tuono, elle a quand même des repose-pieds qui sont un peu plus élevés, donc c'est un peu plus sportif. Mais une Super Duke 1290, si tu aimes les roadsters et que tu te vises par exemple un roadster un peu survitaminé, c'est excellent. Tout ce qui est trail, tu peux y aller, t'as le gabarit pour rouler en trail, que ce soit des KTM, je crois que la 890 Adventure ne sera pas A2, mais la 790 l'est. Chez KTM, la DZRX, chez Ducati, pardon, la DZRX, elle est A2, et c'est des motos où vraiment tu peux te sentir à l'aise, ça, il n'y aura aucun problème. J'hésite entre une Speed Triple RS et une 765 RS. Les 180 me font un peu peur, j'avoue, mais la Speed, je la trouve si belle. Tu conseilles laquelle? Alors, c'est une excellente question, Laurent. J'ai eu cette discussion il y a quelques jours avec un ami. C'est une super bonne question que tu poses là. Et en fait, il y a à boire et à manger dans ta question, et c'est intéressant. Aujourd'hui, je vous le dis, les amis, à moins que vous sachiez pertinemment bien que vous n'arriverez pas à vous contrôler avec une moto puissante. Je connais des gens qui sont peut-être même dans ce chat, qui se reconnaîtront. Si vous savez que vous n'allez pas faire les cons avec une moto puissante, eh bien, il n'y a absolument aucun risque à prendre une moto très puissante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les machines sont dotées de tellement de technologies que, à partir du moment où vous savez que avoir une moto qui est comme ça dotée de mode de puissance, et ben vous roulez sur le mode de puissance Rain Street pendant quelques mois, histoire de s'habituer, vous serez tranquille, il n'y a aucun problème. Maintenant, parlons de cet équilibre entre ces deux machines. Je vais me mettre sur Triumph, parce que c'est un espace de discussion, les amis, hein. Même si on déborde au niveau des news, ça me dérange pas du tout, parce que l'idée, c'est de pouvoir vous donner un peu d'éléments. On a deux machines ici qui sont bien évidemment la Street Triple RS et la Street Triple 765. Donc on va aller un petit peu sur les modèles et on va regarder les caractéristiques de la moto, parce qu'il y a des choses à en dire. Donc, ici, on est sur les caractéristiques de la 1200, hein, et là, on est sur la 765. Il y a plusieurs trucs qui sont à prendre en compte. La première chose, c'est qu'une Street Triple 765, c'est une machine qui va être bien plus légère, bien plus agile, bien plus maniable. La Speed n'est pas du tout une moto ridicule à ce niveau-là, loin de là. Mais si tu veux du virolo à tout va, si tu veux sentir un châssis qui est celui d'une sportive mid-size finalement, parce que c'est ça la Street Triple, c'est cette moto qu'il te faut. C'est vraiment une Street Triple 765. Par contre, si tu veux une machine qui va être expressive à tous les régimes et qui va être capable de te faire monter le palpitant à 2000 tours minute, c'est une Speed Triple qu'il faut prendre, parce que tu as 180 chevaux, tu as 125 Nm de couple, c'est le couple d'une Diavel V4, hein. C'est quand même pas rien. Alors, c'est atteint plus haut, mais t'as quand même une bonne dose de couple, c'est sensiblement plus qu'une S1000R, par exemple, de chez BMW, et ça dépend vraiment de ce que toi, tu vises. Si tu veux, avoir quelque chose qui soit... Alors, attendez, pourquoi est-ce que ma caméra ne fonctionne plus? J'ai l'impression que ma cam ne marche plus. Est-ce que vous me voyez toujours, ou est-ce que j'ai frisé au niveau de ma caméra? J'ai l'impression que ma caméra a frisé, dites-le-moi, parce que j'ai l'impression que... Ça a totalement frisé. Je regarde juste un truc. Ouais, ma caméra a frisé. Alors ça, c'est très très étonnant. Accordez-moi une toute petite seconde, les amis. Ah, ça a l'air de s'être remis en place. Autant pour moi. Bon, tout va bien. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de ce que tu recherches. Et effectivement, si tu te sens l'envie d'avoir quelque chose qui soit vraiment rempli, où tu vas perdre un tout petit peu en agilité, ce que tu vas gagner en sensation d'accélération, une Speed, c'est très bien. Si tu préfères plutôt un châssis très agile, la Street. Je continue à lire vos messages. Je fais pitié sur ma Duke 790 avec mes 1m88 malgré la selle plus 2 cm. Une Duke 790, c'est une moto qui est faite pour l'accessibilité. Effectivement, c'est... voilà. Bonsoir, bonjour à tous, j'avais une KTM Duke 125 modèle 2021, très bonne machine. Bah ouais, Laurent, tu confirmes.
Je suis plutôt petit, 1m70 c'est proposé une speed 1200, niveau RS c'est tout juste, faut pas être plus petit. Oui, c'est vrai effectivement que la speed triple 1200 RS, c'est une moto un peu de grand quand même. Hein. La 765 est tellement facile à conduire, elle est extrêmement bien. Le FZ, hein, c'est une machine qui est très très chouette aussi. Je viens d'obtenir la 2, j'ai pris un 390 ADV KTM, deuxième moto, j'aimerais une 390 Duke, qu'en penses-tu? Pareil Pierre, une 390 Duke, c'est des super bonnes motos et c'est surtout une machine qui est dans un segment où elle est hors de son, elle est hors de sa catégorie, la 390 Duke. Tu regardes le freinage, tu regardes la fourche, tu regardes la technologie qu'il y a dessus, tu regardes l'écran, c'est une machine qui est super super bien, ça, il n'y a aucun problème. Ok, ça a frisé, bon, normalement ça va mieux. Si tu prends le temps, maintenant pour les questions, je me permets, mais vas-y hein, Mathis, même si je déroule sur les news, il n'y a aucun problème. Pour avoir eu les deux, la 1200 n'est vraiment pas loin derrière en agilité, par contre niveau couple ça n'a rien à voir. Bah tu vois Birusama qui confirme que voilà, on perd un tout petit peu en agilité, on peut pas dire le contraire quand même, hein. Une street ça reste quand même une machine hyper légère avec un châssis parfait, mais la speed reste quand même une moto qui est incroyable. Par contre, petite chose que je voudrais juste rajouter. Si jamais tu hésites entre une street triple et une speed triple, je te répondrai que tu pourrais éventuellement te poser la question si tu adhères au look à cette moto-là, la speed triple 1200. RR. Alors, je le sais, ça a une tête qui est spéciale, ça a une gueule qui est un petit peu particulière, faut accrocher au style Café Racer, et je te le dis, moi-même, je n'accroche pas nécessairement à ce genre de look rétro. Cette moto, si demain j'ai l'argent, j'ai les 21 000 euros pour acheter soit une RS, soit une RR, je prends une RR. Parce que la position de conduite de cette bécane, elle est incroyable. T'as de la NYX 30, mais en plus, elle est pilotée, elle est semi-active. Et franchement, j'ai adoré l'essai de cette machine. La Speed Triple, je l'adore, mais la RR, elle est incroyable. Anonymous qui nous dit « Salut, je viens d'avoir mon permis A après 2 ans auprès de ma CBR 500R. Eh bien, félicitations à toi. Je voulais un Roadster jusqu'à 6000 euros d'occasion, mais à part Z800 GSR 750, je ne sais pas quoi prendre, pas triomphe. » Alors, c'est une très bonne question anonyme pour 6000 euros. Tu peux t'orienter, en fait ça dépend ce que tu recherches, ça dépend si tu recherches des roadsters mid-size, si tu recherches des gros roadsters. Typiquement à 6000-6500 euros, tu peux commencer à t'acheter un Biking. Biking c'est un roadster de 183 chevaux, c'est beaucoup plus lourd, par contre ça fait 250 kg, mais si tu veux un truc qui t'arrache les bras, tu peux te faire plaisir avec ça. T'as aussi des motos Morini Corsaro 1200 qui sont des machines super chouettes et qui aujourd'hui doivent plus trop avoir la cote. Après attention, au niveau fiabilité c'est pas fort fort, mais bien entretenu ça passe pas trop mal. Benelli TNT 1130 ou R160, c'est des machines qui sont extraordinaires à 6000 euros, qui décotent beaucoup. Tu restes un peu marié avec par contre, donc faut faire attention, mais niveau sensation c'est top, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. F900R pour un GSR, ça le fait, ça commence à se trouver. Gros accident à deux l'année dernière, la passerelle dans les mois suivants, je cherche un roadster pour continuer à apprendre à évoluer. Mais aussi m'amuser, je suis du genre à chercher la limite, j'ai vu Street RS 765 et 890R. Alors là, excellent débat, excellente question, hein, je pense qu'on va, on va rester là pendant un moment, mais c'est pas grave, ça me plaît. Attention, 765R. S et 890 Ducaire, c'est des philosophies qui sont totalement différentes. C'est pour moi les deux machines qui sont au sommet de la catégorie des roadsters mid-size. Il n'y a pas pour moi mieux que ces deux machines-là. On peut aller chercher la Brutale 800 RR, la Ducati Monster SP, mais c'est pour moi celle qui offre vraiment la meilleure synthèse, mais dans deux registres totalement différents. La Street Triple, c'est une machine couteau dans les dents. C'est vraiment la machine, tu veux aller à l'attaque. C'est une bécane, elle est faite pour vraiment prendre des courbes, dessiner des arabesques, vraiment avoir un châssis incroyable. Alors que la 890 Ducaire, qui a un excellent châssis, hein, attention, elle est faite pour te donner la banane. C'est une moto, quand tu montes dessus, tu souris connement, bêtement, parce que c'est la philosophie des machines KTM, et la 890 Duke R, c'est le summum de ce que tu peux trouver à ce niveau-là, c'est-à-dire une machine qui va te faire kiffer. Elle sera probablement moins efficace qu'une 765 RS, ça, c'est clair, parce que la 765 RS, elle a un châssis qui est phénoménal, mais en termes de plaisir, de fun, la 890 Duke R sans problème. Et puis en termes de caractéristiques moteurs, la 890 Duke R accélère plus fort, elle a un bicylindre qui est très rempli en bas, alors que la 765 RS, elle va dérouler, dérouler, dérouler. Donc, voilà. Benelli 500 Leontino, alors Benelli qui revient hein, ces derniers temps, qui remonte un petit peu et qui sont assez... assez cool, hein. Ils font des trucs quand même qui sont pas mal du tout, donc c'est plutôt chouette, effectivement, effectivement. Alors, je vous lis, hein. J'essaye de suivre un petit peu ce que vous me dites.
J'ai récupéré ma Z900 chez Espace Murite. Et ben écoute, super LP, tant mieux, ils sont vraiment top. Alors vraiment Espace Murite, vous pouvez y aller, ils sont adorables, ils sont super professionnels, il y a aucun problème avec eux, c'est vraiment c'est un de nos partenaires principaux, voire même le partenaire principal. Vous pouvez y aller sans aucun souci. Je cherche pas forcément puissant, juste une petite évolution de ma CBR 500R, max 110 chevaux et pas très gros gabarit. FZ1, FZ8, FZ1. Alors FZ1 c'est 150 chevaux. FZ8, tu dois peut-être pouvoir en trouver dans les 6000 euros qui peuvent être intéressantes. C'est une super machine. Z1000 aussi. Si tu vas dans des Z1000, enfin non, quoique c'est plutôt Z750, Z800 qui peuvent être intéressants. GSR750, ça se fait. Chez Yamaha, MT-09, je pense pas que tu vas en trouver. Et après, sinon, tu peux aller chercher du côté des Ducat un peu anciennes, genre Ducat Monster 1100. Tu peux en trouver dans les 6000-7000 euros. C'est une machine extraordinaire avec un couple que les autres n'auront pas. Ça peut être des trucs intéressants. Perso, avant de passer l'arme à droite, ils me font un RSV4. Une RSV4, c'est une moto qu'il faut vraiment, je pense, essayer une fois dans sa vie parce que ça véhicule des sensations qui sont totalement dingues et je suis assez d'accord. Ça, c'est vraiment le genre de machine qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie pour un petit peu, bah voilà. Et celle qui allie les avantages de la 890R et de la 765RS, le trou entre 130 et 160 chevaux serait laquelle selon toi? Compliqué. Compliqué. Franchement, j'aurais envie de te dire que il faut augmenter un peu en cylindré, il faut aller chercher un peu plus haut en cylindré. BMW S1000R, si tu veux rester dans cette tranche de puissance, BMW S1000R, parce que tu vas avoir plus de couple. Tu vas avoir une moto extrêmement précise avec un châssis phénoménal. Voilà, ça peut être... Tu as vu la 765 Moto 2, tu en penses quoi? Bah je trouve qu'elle est magnifique, Laurent. Je trouve qu'elle est magnifique, elle est incroyable. C'est vraiment voilà, je vous la montre rapidement, hein, puisque... voilà, c'est les news sont un peu un... Si vous voulez, une sorte de toile de fond pour qu'on puisse discuter. Mais moi, j'ai aucun problème à ce qu'on parle d'autre chose. Ça me va tout à fait, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La 765... La Moto 2 par détail. Alors j'espère que la page est ouverte maintenant. Donc la Moto 2, si vous ne connaissez pas, c'est une version extrêmement ultime de la Street Triple 765RS, en version extrêmement limitée aussi, puisque la machine, elle est limitée à 765 exemplaires de chaque couleur dans le monde. Vous avez les deux coloris. Je l'aime beaucoup dans les deux couleurs. Je la préfère peut-être en gris, avec le châssis comme ça, jaune. Je trouve que ça lui donne un ton super super stylé. Mais ouais, c'est... Donc en gros, c'est une Street Triple 765RS sur laquelle on a mis des demi-guidons, on a mis un peu de carbone à droite à gauche, on a mis une fourche All-in Snix 30 qui est... Un des seuls reproches que je fais à la 765RS, c'est que la fourche Showa BPF, elle est un petit peu trop tape-cul, à mon sens, elle est un petit peu trop ferme, alors que la Nix 30, c'est une fourche qui est surnaturelle. J'en ai possédé une sur ma Tuono V4 2020, ma Factory, et en fait, le côté, ce qui est incroyable sur les motos équipées d'une fourche Nix 30, c'est qu'en fait, vous avez un toucher de piste, une lecture de route qui est phénoménal, qui est incroyable, mais vous avez aussi en fait un premier tiers de la course de la fourche qui amortit les irrégularités d'une façon qui est dingue. C'est ça qui est incroyable avec les fourches très haut de gamme, c'est qu'elles sont meilleures en attaque et meilleures en amortissement. Vous avez posté beaucoup de messages, donc je vous lis. J'ai longtemps hésité entre le 1290 Super Ducaire et la Street Fighter V4S et finalement opté pour la Speed Triple 1200RR, t'en penses quoi? Là vraiment, Ferlo, je vais être honnête avec toi, c'est... trois mondes incroyables. C'est trois mondes complètement fous. Personnellement, je n'aurais pas pris la Street Fighter V4S entre une RR et une Super Duke. Ayant possédé quatre Super Duke, j'aurais peut-être plutôt tenté la Speed RR parce que voilà, je suis tombé amoureux de la moto quand je l'ai essayé. Vraiment, j'ai trouvé que la machine a été folle. En version rouge, elle est incroyable. Mais ça reste trois missiles balistiques et trois des motos les plus incroyables que tu puisses acheter dans une vie. Donc au final, les trois sont dingues, mais moi j'aurais pas pris la V4S simplement pour deux raisons. La moto chauffe beaucoup trop à mon goût et la moto est trop creuse en bas. Le problème de la Street Fighter V4S, à mon sens, c'est qu'ils ont vraiment pris un moteur de Panigale qu'ils ont mis dans un Roadster. Et donc en fait, tu n'as aucune différence, c'est-à-dire que de 0 à 7000, tu sens pas grand chose, tu te dis mais est-ce que je suis vraiment sur une moto aussi puissante que ça? De 7 à 10, tu commences vraiment à sentir un roadster velu, tu vois, et à partir de 10 000, tu vis quelque chose qu'aucune autre moto au monde ne peut te donner. Mais le problème, c'est que quand t'es à 10 000, même en seconde, bah,
les flics sont déjà derrière toi. Donc c'est le problème que j'ai avec toutes ces machines qui ont des tours minutes à l'infini et qui vont chercher très très loin, c'est que malheureusement, eh ben, ça s'exprime trop. Ça s'exprime trop dans les tours, et ça, c'est quelque chose qui, moi, me pose problème. Mais attention, c'est très personnel. Un peu trop de plastique chip sur les ducs, dommage, parce que la ligne de la moto est belle. Oui, David, je suis d'accord avec toi, la finition sur les ducs, c'est peut-être l'un des problèmes par rapport à Ducati, par rapport à même Aprilia, c'est vrai. Moto Guzzi V2 750cc 2017, c'était incroyable. C'est incroyable comme première moto. En deuxième moto, j'aimerais une sportive, mais juste une Ninja 650. XJ6F, CBR, 500, 600, tu me conseillerais quoi? La Ninja 650 n'est pas une sportive. La Ninja 650, c'est un roadster caréné. Je le sais, parce que Mathilde a une Ninja 650 que je conduis très régulièrement. C'est très chouette, c'est un look très sympa, mais ça n'a pas cet aspect caréné. Ça dépend de ton budget. Si tu as l'argent et que tu veux quelque chose de « mid-size », entre guillemets, RS660. Te pose même pas de question, la RS660, c'est la meilleure moto que tu puisses acheter en termes de compromis. Si tu veux aller beaucoup plus dans le radical, tu peux prendre une R7. Si t'as l'argent et que tu veux rester dans le radical, tu peux prendre une MV Agusta F3675. C'est des machines qui sont dans ces segments-là. Et si tu veux quelque chose d'un petit peu plus pour le quotidien, CBR650R, ça marche très très bien parce que c'est moins radical. CBR500R, c'est très très bien aussi. C'est une moto qui est chouette, mais qui aura des prétentions dynamiques quand même un peu moins élevées. Pour l'instant, c'est plutôt Z800, GSR750, comme tu l'as dit. Le poids, tu en penses quoi de la Z800? Après, j'ai peur que de rouler sur le premier rapport pour avoir du couple. Alors, sur une Z800, la Z800, elle est quand même assez généreusement pourvue. Moi, j'aurais plutôt tendance à aller sur une GSR750, parce que j'ai toujours trouvé que la Z800, c'était une machine qui était un peu lourde. Et je trouve que la GSR750 avait un petit peu plus d'appeal, de sex appeal, et en plus, en termes de look, je la préférais. Ah oui, la S1000R, je l'ai pour l'instant dans ma ligne de mire, merci pour la confiance. Bah oui, la S1000R, et pourtant c'est une moto que je valide pas nécessairement parce que je préférais les anciens modèles, mais si tu cherches ce compromis, les 130-160 chevaux, la 765RS, la 890 du cœur, c'est vraiment quelque chose que je te recommande sans problème. Les deux à essayer, mais la 890R pourrait me donner ce fun. 1290 modèle, 2 pour moi, la meilleure que j'ai eu, 59 ans, toujours là-bas, mais bien tant mieux Alain, si tu kiffes avec ta 1290, continue à kiffer parce que c'est vraiment, c'est un truc qui est... incroyable. La Scout Fighter pour le prix n'a pas de jauge à essence ni de régulateur de vitesse. Et ça, c'est un truc, je ne comprends pas les Italiens là-dessus. C'est vraiment genre, ils se disent, mais en fait, les clients, ils veulent pas ça. Mais on s'en fout que les clients qui achètent déjà Ducati, ils veulent pas ça. Les clients qui n'achètent pas Ducati, ils achètent peut-être pas Ducati parce qu'il n'y a pas de jauge à essence et il n'y a pas de régulateur de vitesse. Pourquoi sur une moto à 25 000 euros, tu mets pas ce genre de choses? Ça me dépasse. Aprilia, ils ont dû attendre le modèle 2021 de la Tuono et de la RSV4 pour mettre une jauge à essence. Mais les gars, ça rajoute rien au poids. C'est pas un flotteur dans un truc de jauge à essence qui va rajouter 3 kilos à ta moto, et j'ai jamais compris. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Est-ce que je peux espérer un jour, malgré mes 2 mètres, accéder à ces quelques motos rêvées? Harley Fat Bob, GL800, Goldwing, Rocket 3R et bien sûr Hayabusa. Alors, je vais te répondre, John Doe, c'est simple. Harley Davidson Fat Boy, je ne l'ai jamais essayé. Les 3 autres motos, je les ai testées. Aucun problème. Goldwing, tu vas être comme un prince. Rocket 3R, tu vas être comme un prince. Hayabusa, réhausseur de guidon, parce que moi-même j'en ai installé sur mon Hayabusa, ça se trouve très très bien chez Elibar, si tu te les fais importer des États-Unis ça vaut 200 balles, mais une fois que tu l'as, tu les fais poser, ça te rehausse un petit peu ta position pour pas que t'ailles trop chercher loin, tu seras parfait. Peut-être des petits repose-pierres abaissés chez Puig, moi j'en avais pris des adaptables et t'es nickel. Salut Serval, désolé, hein, je suis en train de lire vos messages, hein. La CB650R au quotidien, oui, je suis d'accord. V4 de la Tuono est plus sensationnelle que la Street Fighter tout le temps, sans aucun problème. Enfin, ah non, je vais me faire taper dessus. Non, à haut régime, le V4 de la Ducati va tordre en deux le V4 de la Tuono. Parce qu'il fait 35 chevaux de plus quasiment. Par contre, dans toutes les autres phases, c'est-à-dire accélération, mi-régime, vitesse légale même, le V4 de la Tuono et le V4 Aprilia en règle générale est pour moi vraiment le meilleur truc que tu puisses avoir. Je vous spoil un petit peu dans cette partie parce qu'on est entre nous et que ça me fait plaisir. Je viens de tourner la prochaine vidéo qui sortira lundi sur la chaîne, qui sera un top. J'ai fait un top de mes moteurs les plus sensationnels, les moteurs qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Le V4 Aprilia est dedans. Voilà. Je roule en Supersport 950 et ça passe, par contre pas top pour la ville clairement. Ouais, tu trouves la Supersport un peu radicale, Mandonico? Moi je l'ai essayé la Supersport, je l'avais pas trouvé si horrible, mais je pense que ça dépend, voilà. Sans regret concernant la Speed Triple 1200RR, j'ai la banane à chaque fois que je suis dessus, c'est un pied indéfinissable. Moi j'adore cette moto, vraiment, y a aucun problème. Y a une jauge à essence sur la ZX10R les dernières, ah bah tant mieux. Bah après les japonais, c'est un peu dans leurs habitudes de mettre quand même un peu plus d'agrément
sur leur moto que les Européens. Pour le stockage de la moto, pour le moment, j'habite un appartement sans garage. Est-ce problématique de laisser la moto dans la cour? Je pense connaître la réponse. Oui. Oui, c'est problématique. C'est problématique parce que la pluie, parce que les risques de vol. Alors, tu peux mettre un tracker, tu peux mettre un bloc alarme, un bloc disque alarme. Tu peux mettre des choses. Mais... c'était une question. Si je ne dis pas de conneries, la ZX10R de 2020 que j'avais testée, il me semble qu'elle avait une jauge à essence. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Salut, c'est moi, c'est Aurel, je roule en tonneau V4 Factory 2021. Eh ben, félicitations à toi, Aurélien. Félicitations à toi. Moi, si je dois en racheter une, ce sera une 2020 parce que j'aime un peu moins la ligne de la 2021 et je trouve qu'avec le passage à la norme Euro 5, elle a beaucoup perdu en identité, notamment au niveau des retours à l'échappement, mais ça reste une moto formidable. J'ai vu que la Z1000 2023 existait dans certains pays, c'est dû aux normes Euro, le fait de ne pas en avoir en France où la Z1000 2023 n'existe pas. C'est tout à fait possible, LP. En fait, il y a certaines machines qui ont été arrêtées d'être commercialisées en raison soit de la technologie, soit de la clientèle, soit des normes de pollution. Et vous allez voir, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous voyez la réalité de ça. Hop. Voilà. On est sur le site Kawasaki US et vous avez en fait ici la ZZR 1400 qui est toujours vendue. La moto, elle a été arrêtée d'être commercialisée en 2020, si je dis pas de bêtises, en Europe à cause des normes de pollution Euro 5. Et ici, elle est toujours vendue et non seulement elle est toujours vendue, mais en plus, elle a été mise à jour puisque la machine est dotée d'un freinage Brembo M50, donc ils l'ont un peu fait évoluer. Et c'est un peu une tristesse pour moi qu'ils aient arrêté cette moto, mais c'est des machines très américaines, hein. Hayabusa, ZZR 1400, c'est des motos très 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 américaines qui ont eu énormément de succès aux États-Unis parce que bah, drag race, parce qu'ils adorent ça, donc voilà. Mon dieu, ta réponse me fait rêver, mille merci car c'est difficile de trouver des infos sur les motards hors normes. Ah non, mais t'inquiète Jundo, moi en plus, là tu peux vraiment, moi en plus je suis vraiment dans ce côté gabarit un petit peu bah, grand, je fais énormément de sport, je suis assez large, donc forcément, ouais, je peux tout à fait comprendre. Disons que rouler dans les zones à 30, tu finis par être un steak bien cuit, mais en deux heures, ça passe vraiment bien, un régal. Tu parles de la Street Fighter, j'imagine, parce que c'est un... Ah, la Super Sport, ah oui, bah Ducat, oui, bah forcément Ducat, ça chauffe. Chauffe moteur. Allez, on va essayer d'avancer sur les news, les amis. Bon, je suis désolé, mais là, vous savez, là, je réponds juste à la dernière. As-tu info d'une future GX1000 pour 2024? Pendant ce temps, j'ai vu des infos sur une future R1 Turbo. Écoute, la R1 a été abandonnée par Yamaha pour le moment, dans le sens où en 2023, elle n'a pas été reconduite commercialement parlant. Peut-être que c'est parce qu'ils sont en train de préparer une contre-attaque. Donc, ce serait très chouette, hein, une R1 Turbo, pourquoi pas. Ça pourrait être super cool d'avoir une moto avec 230-240 chevaux. Le problème du turbo ou de la compression, c'est que ça alourdit vachement les machines. Donc, il faut voir comment ils vont réussir à faire ça. GSX-R1000, pour le moment, je n'ai aucune nouvelle à ce sujet. À suivre, j'ai bégayé, mais à suivre. News suivante dont je voulais vous parler, un petit prototype, je vais vous mettre la petite vidéo que je veux citer là, c'est Mich Superbike, qui est donc un monsieur qui a fait une réalisation assez chouette. Vous savez que la GSX 8S est une moto qui va bientôt arriver, hein. J'attends que SMB nous donne les informations sur l'arrivée de leur moto, ils l'ont toujours pas reçu, mais dès qu'ils l'ont, je pars l'essayer, hein, ça, y a aucun problème. Et lui nous a imaginé une version sportive, parce qu'il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être une GSX 8R qui serait en préparation, donc une suite de la GSX 8S mais en version sportive, qui est beaucoup plus réussie à mon sens sur l'image qu'il a donnée là, parce que ça c'est un design qu'il a fait lui-même, que la GSX 8S. Je trouve que la GSX 8S, pour moi, elle a un faciès un peu particulier qui hérite des GSX-S 950 et 1000. Ça lui va un peu mieux que les grandes sœurs, je trouve, mais... Mais voilà, je trouve quand même que, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, je vais vous faire un petit sondage, parce que franchement, je suis assez curieux de ce que vous en pensez. Je vais vous faire un petit sondage là tout de suite, les amis, pour voir ce que vous en pensez de cette moto. Comment je fais pour lancer un sondage? Engagez votre audience, démarrez un sondage. Que pensez-vous de ce concept GSX 8R? Il faut vraiment que je m'achète un bras de micro parce que j'ai le micro dans la bouche. Elle est super jolie. Je la trouve moche. Allez-y. Donnez-moi vos opinions là dans le chat, parce que je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez.
Je me demandais s'il fallait attendre 2024 pour voir arriver de nouveaux modèles ou juste des facelifts adaptations de consoles. Écoute, pour le moment, c'est difficile à dire parce que tu sais, toutes les familles de... Enfin, tous les constructeurs moto ne se calent pas forcément sur les mêmes calendriers. Là, actuellement, je sais pas ce que toi tu recherches, The Magic, si tu recherches une sportive ou autre, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, la question peut se poser. J'aime pas, il faut avoir... Alors attention, Jujigatame, hein, ça c'est pas un design officiel, hein, c'est vraiment un concept de dessin. Moi je la trouve plus sympa, je la trouve plus jolie comme ça que la GSX-8S. Mais après c'est les goûts et les couleurs bien sûr, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Là je regarde, vous êtes plutôt en mode... Ouais, quand même, hein, vous êtes plutôt super joli. Voilà, c'est pour avoir un petit peu un pouls, hein, ce que vous en pensez de ce concept. Moi, je la trouve plutôt chouette, hein, cette moto, je la trouve assez jolie. Si vraiment Suzuki donne un essence à une machine comme ça, jolie, mais feu avant qui fait trop yam pour les petits feux. Après, j'aime bien la gueule, la grande sœur. Ouais, bah écoute, je peux comprendre. Tant pour moi. Ah oui, non, mais y a aucun souci, t'inquiète pas. Je m'ai fait un sondage, hein, c'était juste pour avoir votre petite opinion, voilà. Donc plutôt en mode joli. Donc voilà, peut-être qu'on aura droit dans les mois à venir à peut-être une nouvelle GSX dérivée de la 8S. Alors qui, je vous le rappelle, je vais quand même, j'étais sur le site de nos confrères, hein, de Moto Station. Je vais quand même vous la repasser, hein, cette machine, puisque c'est la nouvelle entrante dans le bal des Roadster mid-size, hein, qui un peu entrée de gamme, hein, là il faut le dire, hein, on est plutôt dans l'entrée de gamme, même si ça reste des machines qui sont très chouettes, mais on est plutôt dans l'entrée de gamme, la nouveauté, la GSX 8S qui est disponible en A2. Donc ça c'est la nouvelle machine de chez Suzuki. Prix approximatif, bah difficile à dire, Marc, très probablement elle serait un peu plus de 1000 euros de plus que celle-là, donc probablement dans les 10 000 euros j'imagine. Et donc là sur la GSX 8S, on est sur eh bien, une nouvelle recette, une nouvelle plateforme, un nouveau moteur bicylindre qui va se décliner aussi dans un V-Strom, et on est sur une machine qui vise clairement le marché de la Z650, de la MT-07 et de la Hornet bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette moto? Eh bien on a 82 chevaux. J'essaie de vous retrouver les caractéristiques techniques. Voilà, on a 83 chevaux sur la moto, 78 Nm de couple, ce qui en fait la plus coupleuse de toutes. Ça, c'est important de le noter, c'est aussi celle qui a le plus de cylindrée. Avec, eh bien, par contre, des petites choses qui sont un peu fâcheuses, notamment un poids de 202 kg tout plein fait. Je vous le rappelle que 202 kg tout plein fait, kilo, Suzuki, s'il vous plaît, soyez un petit peu attentif sur votre site. Et 202 kg tout plein fait, ça fait quand même pas mal quand on voit qu'une Hornet qui est la plus lourde des trois autres en fait 190, c'est un petit peu... The Magic qui me dit, je me demandais si je devais craquer aujourd'hui pour une 765RS et ou S1000R ou attendre pour d'éventuelles mises à jour de ces modèles, mais bon, à un moment, faut bien se décider. La 765RS vient de sortir, Magic, donc elle n'aura pas de mise à jour de sitôt, j'imagine, surtout que la machine est quand même vachement mise au point. S1000R, je suis un petit peu mitigé, mon ami, parce que malheureusement, moi, une S1000R aujourd'hui, vu ce que BMW va sortir, enfin, a sorti là, je préférerais mettre de côté l'argent pour une S1000R et mettre encore un peu de côté pour acheter une M1000R que une S1000R. La S1000R, je lui reproche un truc, c'est que je trouve que le moteur sur cette moto est trop creux depuis sa nouvelle génération. L'ancienne S1000R était incroyable en termes de réponse moteur. Là, je trouve qu'elle s'est un peu assagie. Ça m'a un petit peu déçu. Alors que la M1000R intègre la technologie Shift Cam sur le moteur qui donne plus de couple en bas, plus de puissance en haut et donc qui potentiellement sera un peu plus vénère. Par contre, ça vaut 22 000 euros. Je suis d'accord avec vous. Donc là, il n'y a pas de discussion. Salut Sandbae, nouveau sur la chaîne, super contenu. Eh bien merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce là si vous ne l'avez pas encore fait sur ce live, ça aidera pour le référencement. Et installez-vous confortablement. Donc voilà, comme je disais, il y a des choses qui sont chouettes sur cette moto, hein. Le tableau de bord, je le trouve plutôt joli, hein. Les tableaux de bord pendant un temps chez Suzuki, ils étaient vraiment pas fous. Là, je trouve qu'ils ont pris un peu du poil de la bête, c'est assez esthétique, c'est plutôt sympathique, toutes les informations ont l'air d'être lisibles. On a pas mal de technologies sur cette machine, hein, parce que on va avoir du contrôle de traction, du shifter up and down, on a tout le easy start system, vous démarrez la moto sans avoir, bon, c'est des trucs un petit peu à la con, mais il y a quand même un petit peu de techno sur la machine. Et voilà, elle a son petit look à elle. En tout cas, elle ne fait pas comme la Hornet, comme la Z650, comme la MT-07. Elle a son style à elle. On verra si ça marche.
J'ai vu la M Miller full carbone au salon de Lyon, elle est somptueuse. Eh bien écoute, moi aussi, et pour ne rien vous cacher, j'étais chez Azuro hier, chez un de nos partenaires BMW. J'étais allé les voir parce que je voulais la filmer, la moto, faire un petit short parce qu'elle n'est pas encore préparée, il faut qu'il fasse le rodage. Dès qu'elle est prête, je vous fais un essai, mais voilà. De toute façon, c'est la crise, je garde mon FZ1 énervé. Alors le FZ1, c'est très très bien, c'est sûr. Vu la répression, bah après, moi je pense qu'on peut trouver du plaisir dans certaines machines. C'est justement ça que je trouve qu'aujourd'hui, le bicylindre, c'est une architecture qui prend de plus en plus ses lettres de noblesse parce que justement, c'est une architecture qui peut se permettre d'avoir moins de puissance en haut dans les tours et de donner plus de sensations à bas régime. Voilà. Suzuki avait des compteurs ignobles pendant un temps, ça fait plaisir d'avoir quelque chose de sympa en effet. Je suis d'accord, Amandoni, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, une des machines qui a amorcé la contre-attaque, à mon sens, pour moi, de ça, même si bon, je suis pas très objectif, hein, ça vous vous en doutez, c'est la nouvelle Hayabusa qui a un compteur que je trouve vraiment... Ça me fait de la peine parce que vous le savez, je l'ai plus. Je m'en suis séparé parce qu'on a Espace Murite qui nous prête des motos sur le long cours. Mais incroyable. Incroyable. Vraiment. Je sais qu'il y a certains qui détestent cette moto parce que trop grosse, parce que machin. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais quelle machine incroyable. Quelle machine incroyable. Tu vas pouvoir nous présenter la Suzuki GSX8S. Eh bien écoute Marc, j'attends que SMB la reçoive. Et dès qu'il la reçoive, je pars en essai avec. Donc oui, ne t'inquiète pas. Dites-vous bien que... A priori, vous pouvez vous dire ça, si vous hésitez à vous abonner à la chaîne par exemple, a priori, toutes les nouveautés qui vont sortir, en dehors de machines exceptionnelles comme une Super Duke 1290 RR où il n'y aura pas de modèle de démo, j'essaierai les machines. Vous inquiétez pas, je le ferai. La Haya, mais l'autre routière est sympa pour l'avoir vue en vrai. Tu parles de la GSX S1000 GT celle-là, j'imagine. Ouais, je suis un peu triste. J'avoue que je suis un peu triste. Je vais pas le cacher. Tu parles de celle-là, la GSX S1000 GT. Elle a un nouveau coloris bleu et noir qui est très très sympa. J'attends de pouvoir l'essayer aussi parce que celle-là, elle a un tableau de bord aussi. Bah, c'est le même que la... Un petit peu le même que celui de la GSX 8S. Très 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 chouette. Très 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 chouette. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Celle-là, il faut que j'aille voir nos amis de chez SMB pour pouvoir la tester. Quand tu veux customiser une moto comme la M Miller Carbone, tu l'achètes de base chez BM et tu l'amènes ensuite chez un préparateur ou tu ajoutes déjà des options chez BM lors de l'achat. Tu peux faire comme tu veux, The Magic. BM ont un catalogue d'options qui est hyper fourni. Alors, ce qui est intéressant avec la M Miller, c'est que c'est une moto qui vient déjà avec énormément de choses dessus. En fait, quand tu prends une S Miller et que tu montes les packs. Le pack sport, le pack dynamique, etc. C'est des choses que la M Miller a déjà en grande partie intégrées. Donc elle est quand même plus chère, elle fait 40 chevaux de plus, hein, faut pas déconner. Mais elle intègre beaucoup, beaucoup des choses que la S Miller n'a que en pack. Après, tu peux bien évidemment aller chez un préparateur si tu veux. T'as SSM à Monaco qui font des trucs complètement fous. Hein. J'avais montré un short d'une S Miller préparée par eux où ils avaient remplacé la tête de fourche par celle d'une S Miller R. C'était magnifique, c'était vraiment un truc de fou. Ilmberger, qui est en fait le fournisseur officiel de carbone chez BMW, qui peut aussi te vendre des pièces carbone qui sont complètement maboules. Mais tu peux aussi, chez BMW, le faire sans problème. Il y a vraiment des gens qui hésitent à s'abonner, des gens bizarres, c'est sûr. Ah bah merci VK, c'est très très cool. Bah voilà, hein, après chacun, vous avez, il y a plein de youtubeurs moto différents hein, sur YouTube aujourd'hui qui font des choses tout à fait différentes les uns des autres. Là, j'ai vu comment Valoutre, oh, il a posté un essai de la Multistrada. Oh, son essai, il est incroyable. Je me fous complètement de faire de la pub pour les autres youtubeurs. En fait, je trouve que c'est plus agréable que bah, on se parlant bien les uns des autres plutôt que se tirer dans les pattes. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Attention, je ne dis pas que les youtubeurs se tirent dans les pattes, mais c'est comme ça que moi je préfère faire les choses. Valoutre, il a fait... C'est vraiment... En plus, on se fait pas vraiment concurrence, Valoutre et moi, parce qu'on a deux philosophies, deux approches différentes. Lui, il aime beaucoup montrer des paysages, des trucs qui sont dans son coin à lui, parce que je crois qu'il est dans le Nord. Mais son essai de la Multistrada V4S, il y a une histoire qui est racontée, il y a un montage qui est phénoménal. Vraiment, c'est dingue. Et donc, après, il y a des gens qui apprécient pas ce que je fais, il y en a d'autres qui aiment bien, bref. Nous avançons, parce que j'aimerais bien finir les news avant de passer sur l'autre partie. Oui, mais toi, tu es accessible, ça, c'est l'esprit moto. Bah, écoute, Jujigata, mais moi, personnellement, je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, qui sont accessibles. Personnellement, je le vois comme ça. Mais après, tu sais, je vais être honnête avec toi, hein, quand t'as des youtubeurs qui arrivent à 150, 200, 250 000 abonnés,
tu te retrouves dans une position où c'est pas que tu le veux, mais quand tu postes une vidéo, tu vas avoir des centaines de commentaires d'un coup et c'est difficile de répondre à tout le monde. C'est un peu la rançon du succès. J'essaye de le faire et peut-être qu'avec des lives c'est un peu plus sympa, mais quand bien même, si demain je me retrouve avec 100 000 abonnés, si on fait un live, vous allez plus être 50 comme c'est le cas maintenant, vous allez être 250, 300, 350, et du coup pour répondre aux questions c'est un petit peu plus complexe. Mais tant que je le pourrai, je resterai comme ça. Ferlo qui dit ta nouvelle vie de youtubeur moto ça se déroule bien, ce serait un rêve pour moi en extra. Alors je mets fin tout de suite au suspense parce que j'ai l'impression que vous allez vous dire ah non c'est mitigé tout, c'est incroyable. Ça fait maintenant 6 mois que je fais ça à fond, que je suis parti de mon job, je bossais chez Apple, maintenant j'ai plus de restrictions, je peux le dire, j'ai travaillé chez Apple pendant 10 ans. Et j'ai décidé de me lancer parce que ça commençait à devenir impossible de gérer les deux choses en même temps parce que je me donnais vraiment à fond sur YouTube et en plus de ça j'avais un taf 35 heures salarié classique et donc c'était très 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 compliqué. Mais c'est incroyable parce qu'en fait je vois l'engagement que vous avez et ça c'est génial. Je vois le retour que me font les marques et les concessions avec lesquelles je bosse parce que c'est aussi ça qui est important, c'est des partenaires qui sont proches. Aujourd'hui j'ai la chance de bosser avec une dizaine de concessions autour de moi et c'est juste trop trop bien. Mais ça me fait peur parce que là actuellement je gagne des sous grâce à ma chaîne mais en fait j'en gagne pas assez pour en vivre, j'ai réussi à m'arranger pour voir le chômage et en fait j'ai une deadline qui arrive et en fait c'est du stress, c'est vraiment beaucoup de stress, c'est juste ça parce que pour le reste j'enchaîne des semaines de barge où vraiment je taffe des heures de fou. Alors bien évidemment hein, y a plein de gens qui font des heures de fou hein, je suis pas en train de dire que j'en fais plus que d'autres ou quoi que ce soit, mais je bosse énormément et je m'en rends même pas compte. Je me rends pas compte que je travaille en fait. C'est tellement un plaisir et vous l'avez vu dans l'essai de la Street Triple, j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis je peux partager ce genre de vie avec vous. Enfin, c'est juste incroyable. Donc ouais, forcément, je suis extrêmement content et je ferai durer ça autant que je le peux. J'ai essayé plein de motos dans ma vie, mais je crois que quand tu as touché la KTM 1290R, le reste ne te touche plus. J'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là Alain, je dirais que la Super Duke c'est quelque chose qui provoque un truc en toi. C'est une moto qui provoque quelque chose en toi et effectivement c'est une machine qui se place tellement haut qu'ensuite c'est difficile de revenir à quelque chose peut-être de moins extravagant. Mais il y a beaucoup de machines qui peuvent provoquer ce genre de sensation. La Tuono, la Yabusa dans son genre, la ZZR 1400, les motos hyper sportives qui font des trucs assez fous, la Rocket 3, la Diavel, il y a des motos comme ça qui ont des expériences qui sont juste géniales. Par contre, effectivement, si tu arrives au niveau d'une Super Duke, ça commence à devenir difficile de revenir à des machines peut-être un petit peu plus sages, sauf si tu as vraiment ce côté passionné à fond. Moi, par exemple, je monte sur une Street Triple, je suis comme un fou, je monte sur une Hornet, je suis comme un fou, parce que je l'apprécie d'une façon différente. Même une Duke 390, parce que je vois les petites choses qui sont différentes, voilà, c'est... Merci Gigata, mais c'est gentil. Vu la GSX S1000 GT au salon de Montréal, assez déçu, celle passager minuscule, position pas super naturelle pour une GT, mieux vaut se tourner vers une Super Duke GT. Ah oui, après attention, Super Duke GT, t'es vraiment sur un truc beaucoup plus fun et con. C'est vraiment une machine, mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas si tu as déjà fait une vidéo sur Espace Murite. Bah, tu veux dire une vidéo dédiée à Espace Murite où je présente la concession? Non, par contre Espace Murite, je bosse avec eux, c'est un de mes partenaires principaux. Tu n'as pas encore eu de contact pour des OP dans tes vidéos YouTube? J'ai déjà eu des contacts pour des OP dans mes vidéos YouTube, ça m'est déjà arrivé. Mais pour le moment, c'est des choses sur lesquelles c'est en cours. C'est des trucs qui sont pas forcément liés au monde de la moto. Alors, il y a un truc lié au monde de la moto que je vais pouvoir vous présenter très bientôt et qui est très très chouette. C'est un concept qui est cool, mais c'est pas une OP rémunérée. Mais ça pourra peut-être l'être par la suite, mais c'est très très chouette. Tu mérites, tu es passionné, c'est ça qui est bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. John Doe qui dit, c'est en description, chez Apple, tu étais dans le dev marketing? Pas du tout. En fait, je bossais dans le côté commercial et en fait, j'étais un peu manager commercial. Je bossais en fait en Fnac, dans les grosses Fnac de France. Vous avez des gros espace Apple et dans lequel vous avez des personnes qui en fait managent complètement le business en fait des produits Apple, qui vont former les vendeurs, qui vont mettre en place des opérations promotionnelles, etc. Renseigner les clients aussi, être un peu une figure d'expertise, et c'était ça que je faisais pendant 10 ans. Comment as-tu développé toutes ces connaissances? Bah écoute, c'est simple, en kiffant, en m'intéressant. J'ai toujours eu ce côté-là un petit peu où quand je m'intéresse à un truc, je m'y perds en fait. Je m'y perds à 2000% et des fois ça me coûte cher en énergie, en temps, en argent, mais je suis comme ça. Et donc du coup, bah la moto, c'est une passion depuis plus de 15 ans. Et du coup, bah je me suis renseigné au fur et à mesure, des magazines, des vidéos YouTube, je suis curieux, je regarde les sites des constructeurs, etc.
Bonsoir à tous, j'espère que le live se passe bien. Tu as commencé avec quelle machine dans le monde de la moto? Eh ben écoute, inspecteur d'Eric, si tu as un bon pseudo pour une question comme ça. Alors, j'ai passé mon permis le 29 mars 2012, j'ai les dates en tête, et sachez que la première moto que j'ai possédée, ce n'est pas une moto que j'ai achetée. C'est une machine que j'ai louée une société qui s'appelle Darkos Location, qui faisait de la location longue durée de moto. Et la première machine que j'ai eue, ça a été une Hornet 600, donc les anciennes, les 4 cylindres en ligne, que j'ai possédé pendant quelques mois. J'avais pas les sous pour m'acheter une moto, et en fait, au lieu de mettre de côté, je me suis dit, ah vas-y, j'ai trop envie d'en avoir une, et donc en fait, j'ai loué des bécanes. J'ai eu ça, j'ai eu une CB1000R, donc le gros roadster à l'époque de chez Honda, c'était celle qui avait le même design que la Hornet, c'était avant qu'ils refassent le design néo-rétro. Et la première moto que j'ai achetée, que j'ai dû acheter au bout de 7-8 mois après avoir passé mon permis, ça a été une Suzuki Hayabusa de 2001, hein, celle qui avait encore le compteur gradué à 350 km/h, noire mat, qui était super belle, dont j'ai dû me séparer un petit peu rapidement après parce que la position de conduite était trop dure pour moi, c'était trop tôt pour moi pour avoir une machine comme ça, mais ça a été ma première moto achetée, les amis, c'était une Hayabusa. Ça s'appelle la passion. Déconseillerais-tu une moto sans ABS à quelqu'un qui a peu d'expérience, 2 ans? Oui, tout à fait, Anonymous, je te le déconseillerais. Parce qu'effectivement, je pense qu'avec l'expérience, tu peux apprendre à vivre sans l'ABS, mais c'est une technologie qui peut tellement te sauver la mise quand tu ne fais pas gaffe à ce qui se passe, qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience pour conduire comme ça. Voilà, donc je vais terminer rapidement sur les news, les amis, parce que on a été, c'était stop, on a échangé, parce que j'aimerais bien quand même vous partager un peu de gaming aussi, même s'il y en a certains d'entre vous que ça n'intéressera pas forcément. Je voulais vous parler de un truc qui est d'actualité en ce moment, et vraiment, je voulais vous parler de ça. Donc on est chez nos confrères, hein, de chez Motostation, hein, merci à eux d'avoir relayé cette news, avec un rebondissement, quelque chose qui a un petit peu secoué l'actualité depuis un bon moment. C'est la fin des moteurs thermiques. Vous le savez peut-être, il y a eu des accords qui ont été signés au niveau européen pour que les moteurs thermiques s'arrêtent en 2035. Donc Kawasaki par exemple avait déjà annoncé qu'ils mettaient un terme à leur moteur thermique en 2035. Ils n'auraient plus de moto thermique en 2035, ils seraient remplacés par des motos électriques, des motos peut-être hydrogène, etc. Mais il n'y aurait plus de moteur thermique en 2035. Et l'Allemagne a réussi à faire un petit tour de force de quelque chose qui est probablement un truc qui a été mis en place un peu à la va-vite, et moi je suis d'accord avec ça, c'est 2035, plus de moteur thermique, enfin jamais de la vie, enfin tu peux pas, c'est impossible. Et du coup en fait l'Allemagne a réussi à contourner entre guillemets un peu le truc avec, je vous lis l'article, l'Allemagne est parvenue à négocier un assouplissement de ce fameux texte de loi. Celui-ci porte sur la possibilité de fabriquer toujours des moteurs thermiques en 2035 à condition qu'ils utilisent un carburant de synthèse ou e-fuel. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les carburants de synthèse, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, il faut savoir qu'avec la probabilité que les carburants fossiles viennent à manquer un jour, puisque c'est quelque chose qui va arriver, y a des constructeurs qui se sont mis en tête de réussir à fabriquer des carburants comme de l'essence, mais de synthèse, des choses qui sont fabriquées sans avoir besoin de forer des puits de pétrole, etc. machin. Et Porsche fait partie de ces acteurs qui ont justement œuvrer pour développer des carburants de synthèse qui y sont parvenus. Alors c'est des choses qui coûtent encore extrêmement cher aujourd'hui, mais ils ont l'objectif de réussir à mettre en place ça. Et du coup, Porsche et Shell ont gagné une belle bataille puisque ce sont deux des protagonistes qui se sont élevés contre la fin du moteur thermique programmé en 2035. Le constructeur allemand qui a voulu préserver son savoir-faire, son cœur de métier avec la fabrication de moteurs traditionnels, et le pétrolier qui a lui aussi mesuré l'importance de développer un nouveau carburant à son catalogue. Parce que bien évidemment, si Shell développe du carburant de synthèse et qu'il le mette en vente un jour, Italie, Portugal, idem, et ben super, merci à vous les amis d'avoir relayé cette info aussi, c'est très cool. Des opposants à tout électrique qui auront été rejoints rapidement par l'Italie, désespérée à l'idée de tirer un trait sur des milliers d'emplois liés au moteur thermique, et donc peut-être que le Portugal... aussi du coup. Je réponds à vos questions rapidement. Deux questions triomphe. Le traction control fait-il office d'anti-wheeling et pourquoi elles n'ont pas d'amortisseur de direction comme sur les autres bécanes de près de 200 chevaux? En tout cas, c'est le cas sur les Speed Triple 1200 RR et RS. Alors, c'est une excellente question. Pourquoi est-ce que il y a pas d'amortisseur de direction sur les Speed? C'est une bonne question que tu poses là. C'est une très très bonne question.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, d'amortisseur de direction? C'est une bonne question. Écoute, peut-être que la moto n'en a pas besoin. Je trouve ça quand même assez étonnant, mais effectivement, ça m'a pas l'air d'être le cas. Peut-être que tout simplement le châssis, l'équilibre de la moto permet de ne pas avoir besoin d'amortisseur de direction. Écoute. Et le traction control, ça n'agit pas comme un anti-wheeling parce que... Enfin, ça peut agir comme un anti-wheeling. Selon les motos, ça peut être le cas, mais normalement, sur les machines les plus avancées, t'as un anti-wheeling qui est dédié. J'ai croisé quelques jours une 900 Hornet, c'est une belle et rare moto, a priori elle était dangereuse à sortir. Oui, c'était une moto qui était connue comme la faiseuse de veuve, parce que c'était une machine qui, notamment au niveau de son châssis, était un petit peu chewing-gum. Donc ça, voilà, c'était une actu que je voulais vraiment vous, vous partager, parce que, eh bien, c'est quelque chose dont on le voit arriver, et il y a plein d'acteurs dans le monde de la moto qui sont en train de mettre en place des trucs. Kawasaki qui a notamment annoncé leur première moto électrique, hein, la Ninja EV et la ZEV, hein, qui sont des motos 100% électriques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper hyper important, parce que ça va faire partie du paysage de la moto. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être réfractaires, on sait pas trop ce que ça donne, ça manque un peu de caractère, mais ça fait partie des choses. On risque d'avoir de l'hydrogène aussi, et Kawasaki sont à l'avant-front là-dessus. Ils ont montré des prototypes notamment qui ressemblaient beaucoup eh bien à des ZZR un peu, ou des H2SX avec le moteur de la H2 a priori en alimentation hydrogène, et également eh bien les carburants de synthèse qui eux pourraient s'accommoder d'une nouvelle génération eh bien, de moteurs, et ce qui ferait que l'électrique deviendrait peut-être une technologie parmi tant d'autres. Et demain, qui sait, on se retrouvera peut-être à avoir du coup eh bien, 4 technologies qui cohabiteraient ensemble: l'électrique, l'hydrogène, le carburant de synthèse, etc., etc. C'est peut-être ça qui nous attend pour le futur. Voilà, ce live news est terminé, donc merci à vous de l'avoir suivi. On reste ensemble pour la suite si ça vous dit, mais là je vous dis à très bientôt pour un prochain live, pour eh bien d'autres news, hein. Ça va être toutes les 2 semaines environ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous le souhaitez, eh bien le petit statut Roadstars qui permet de soutenir la chaîne, hein, de devenir membre Roadstars, ça me permet moi aussi d'avoir un peu plus de visibilité, de stabilité. Donc n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et on se retrouve très très vite sur la Roadsters TV.